Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Summer in Mara Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Ah ouais, ramasse-le, le petit fruit. Ouais, bon, au moins le gaming travaille. Ok, ouais. Toujours là, l'italien? Bizarre, les cochons, quand tu les nourris, ils te donnent des truffes. Je pense que c'est juste de la merde. Et là, qu'est-ce qui s'est passé avec vous? C'est toi qui as gardé la maison? T'es parti? C'est bien ça au moins. Là, si je brise tout ça, c'est parce que ça me fait de l'argent. Des fois, j'ai besoin des montants d'argent pour dans le jeu, puis quand tu n'as pas, là, ça devient compliqué. Ça fait que tu viens d'en profiter. En tout cas, les pierres se régénèrent.
Les bananes. Ah, du chocolat. Oui. Oui. Et quoi? Donc là, on va aller acheter des clous, puis après ça, on va aller voir Aquila. Ce jeu-là, il devrait me rester environ moins de 10 heures, j'espère, en tout cas. On dit comme à 16 heures de jeu. Là, il n'y a plus de clous à vendre, mais dans une journée ou deux, il va y en avoir d'autres. Voilà, à propos de ce tableau avant, c'est pas que tout le monde en parle. J'aurais très intéressé d'en acheter un. Mais tu l'as trouvé pas nul? Oui, eh bien, les choses changent. D'accord, tenez, merci beaucoup. Là, tu me proposeras un prix raisonnable. De l'argent, bien sûr. Oui. Beaucoup. 500, yes. Oh, si bol, ouais. Pas tout, je suis vraiment désolé pour ta maison, j'aurais aimé qu'on soit plus tôt. Je peux faire de quoi pour t'aider?
D'accord, retourne dans ta maison. On va y plonger ou je ne sais quoi. Mon perle, d'accord, je la chercherai. Ah zut! Je jette de quoi? Pas des chemins, toi. Ah, des cases de plongée. Ou 8 clous. Hey, ça m'en prend un peu des clous. Je serais qui d'autre n'en vend, ça aiderait. J'aurais la recette pour en construire. Branche mon micro. Attention lorsque tu portes quelque chose. Mmh.
j'en ai les matériaux à l'autre. Est-ce que ça te convient? Oui. Je n'ai pas l'habitude de ces matériaux, je dois les examiner. Ils ne respectent peut-être pas les directives de qualité et les prix de tout ça. Pas la peine de me donner quoi que ce soit, c'est encore un cadeau. Vous comprenez? Pour le jeu de mur, je vous donne ça parce que j'en ai envie. Je n'ai besoin de rien en échange, c'est un cadeau. Le concept est nouveau pour moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah non, c'est encore la méchante dame. Qui es-tu? Que fais-tu là? Je suis un salarié, dégoûtant. Pas travailleur. Quel est ton code de domination? Bien, tu m'expliqueras tout ça tout à l'heure. Pourquoi tu as laissé cette gamine enfreindre les directives de sécurité? Porte ma vue. Le baron n'est pas patient et j'ai plus important à faire que de parler à des idiots comme vous. Au revoir, Sylvie. Tu dois livrer les objets qui t'ont été confiés. C'est tout. Les horribles choses que sont capables de faire les élites, tout ça pourquoi? Comment est-il pu arriver? Nos stations sont parfaites. Comment se passe la persuasion? Très mal. Une méchante élite est apparue et m'a renvoyé à la station. En plus, CB n'est pas au courant de rien. Eh bien, il semblerait que tout. Nous sommes dans une impasse. Qu'allons-nous faire, peut-être? Ne vous battons pas. Quelqu'un de plus fort devrait les affronter. Je suis désolé, je ne peux rien de plus pour toi. Je n'en ai pas le courage. Alors, je trouverai quelqu'un qui l'aura. Bon, faut jouer à la cave de l'or, je suis complètement extrait. Thank you.
rocher de l'esprit. Bizarre ou peut-être juste fin. Qu'est-ce qu'il y a ici? Yaya a parlé de personnes qui se sont perdues en mer. Mara a toujours pris soin d'elle. Les meilleurs ingrédients, tu dois les trouver toi-même. On peut rentrer à la maison maintenant? C'est incroyable. Un bon cuisinier n'a pas peur d'un mauvais convive. Allez, souris.
Est-ce que je suis déjà venu sur cette île ou est-ce qu'elles se ressemblent toutes? Question, mademoiselle. Naval. Venant de votre banque étudiée ici. La tête. Yaya ne voulait donc pas que je découvre cet endroit, c'est rusé de sa part. Bien des Bermudes.
Que vous voulez ça? Exactement où j'étais. Voilà. Pour monter deux îles. Non, c'est ici. Moi que c'était l'île d'avant. Tu mets sur l'île ou...
Je vais trouver ces lunettes-là. Je pensais qu'il fallait plonger, il n'y a pas d'indication au plonger. Ah, ça fatigue demain facilement. C'est parce qu'elle n'a pas dormi. Bon, on va essayer de fouiller dans l'océan parce qu'on trouve pas ça. C'est la bonne île. Pas le tour de l'île. Ouais.
J'ai en train de manquer de carburant en plus. Bonjour, c'est Moussa en Litio. Un bateau à meilleur canon, ok oui. Pour tout avouer, nous les utilisons pas, il était fourni avec le bateau. Cela fait des années qu'on n'a pas utilisé, ils sont là pour faire joli, mais ce serait possible de les utiliser. Mais il faudrait les régler, peut-être que si je les apportais à Akaji, oui, je suis sûr qu'elle fait un très bon travail. Pourquoi veux-tu ces canons, petit Moussa? Je te le dirai plus tard. Tu peux bien me les prêter si tu veux. Merci, Litio. Cela est peut-être différent. C'est ton père. Est-ce qu'elle appartient à ton père? Je vois, je suis soulagé. Tiens, c'est pour toi. On va parler à Blue. Ah, je vois, Napopo veut-tu l'accompagner au temple. Que tu lui poses la perle, elle lui serait une grande aide. Ah bon? Oui. Elle dit que quelque chose de spécial se passera, tu dois donner la perle à l'offrande. Essayons. Ces satanées lunettes, là, je les ai pas trouvées. Mmh.
pour vendre quelques pierres, faire de la place et de l'argent en même temps. Qu'est-ce que tu as mis là-dedans? C'est ce que vous avez demandé. Des carottes, des petits pois, ça ne va pas du tout. C'est bon, tenez, écoutez. Non, c'est pas bon. Je suis sûr que Novo va aimer. Novo va aimer, vous verrez. Novo, est-ce que tu... Et la pialate que préparé vous plaît? Elle est bonne, mais elle serait meilleure avec un œuf au plat. Et un peu de beurre, ça n'a pas l'air très bon. Tu verras, ça sera. Je suis un expert. C'est une conseil à gastronomie de barra. Voilà. La poêle est préparée comme vous vouliez. Miam, c'est délicieux. Caleb, bien écouté. Non, bien, elle est très bonne. Je ne me plaît pas, tout d'un peu de fantaisie. J'aime les paella traditionnelles. On prépare une première pareille. C'est comme vous les aimez. Merci beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi tout doit être fait d'une certaine façon. Ça m'aide beaucoup. Et quand les choses ne changent pas, c'est monotone. Non, ça détend. Et tu peux bien porter encore cette personnalité à Akaji. Bien sûr, qu'est-ce que c'est? Un petit cadeau. Ah. Et mon bateau est côté. Donc c'était tout pour le live du Caribou canadien sur le jeu Summer in Mara. Oh yeah!